La France veut peser de tout son poids pour s'opposer à cela. Et pour la question algérienne encore, elle s'est opposée à tout. Et lorsque de guerre lasse, elle ne peut plus s'opposer, elle essaye alors de teinter les résolutions de la Cour européenne des droits de l'homme de telle façon que ces résolutions vont paraître et vont être élaborées de manière très timide. Nous voulons dire à la Cour européenne des droits de l'homme, si vous voulez vous inscrire dans l'avenir, si vous voulez vous inscrire dans le futur, inscrivez-vous en défendant les droits de l'homme, non seulement pour les Européens, mais aussi pour tous les pays, pour toutes les populations, pas seulement algériennes, mais aussi africaines, mais aussi palestiniennes, parce que les droits de l'homme, c'est pour tous les peuples. Parce que la liberté, c'est pour tous les peuples. Parce que la démocratie, c'est pour tous les peuples. Attention, si vous vous inscrivez encore dans les siècles passés de la colonisation, les générations futures, ou vous, la Commission des droits de l'homme européenne, vous allez être complètement dépassés, oulayadou billah. Mon troisième message, concerne les généraux algériens. Il faut que vous sachiez que la France n'a pas d'émotion, que la France n'a pas d'idéal, que la France ne connaît pas les droits de l'homme, que la France ne connaît pas tout cela. Détrompez-vous. La France en Afrique, la France au Maghreb, la France au Moyen-Orient, partout, elle n'a que des intérêts. Elle n'a que des intérêts. Alors vous, Tebboune, vous les généraux algériens, il faut que vous sachiez, lorsque la France va trouver meilleur que vous, va trouver plus engagé que vous, eh bien elle va vous liquider comme elle l'a fait pour le Tchad. Idriss Debaye, il a osé critiquer la France officielle. Regardez ce qui est arrivé. C'est ce qui va vous arriver.